Oui, je suis prêt. Pour moi, aujourd'hui, c'est un jour de repos parce que seulement 20 coureurs se battent pour le classement général. Et moi, je me bats pour mon maillot. Et vu qu'il n'y a pas de sprint sur le parcours, je vais essayer de faire du mieux que je peux sans tomber pour être en forme demain. Ah, ça va être dur, on vient de faire la reconnaissance et ouais, ça monte tout le temps, il n'y a presque pas de descente et pas beaucoup de plats, donc ça va être dur. Et c'est long aussi, donc ça va être important. Il faudra surtout pas démarrer trop vite avec le risque d'exploser après. Donc il faudra bien doser là-dedans et espérer accélérer un peu vers la fin, je pense. Bienvenue au résumé de la cinquième étape du Tour du Rwanda 2024. Aujourd'hui, les coureurs sont partis de Musanze à Kinigi pour faire 13 km sur un contre-la-montre individuel qui a pris fin au pied du volcan. La cinquième étape du Tour du Rwanda a été lancée à 13h dans les rues de Musanze, la capitale du cyclisme au Rwanda. Si le premier de cordée se trouve être le jeune biélorusse de l'équipe Maystar Vyacheslav, il est suivi par le sud-africain Dylan Guéry, tenant du titre national du Sud-Afrique du contre-la-montre en catégorie espoir depuis ces deux dernières années. Il s'agit donc d'un spécialiste qui connaît parfaitement la discipline et qui maîtrise ses efforts à la perfection. Le jeune biélorusse a à la fois privilège d'ouvrir la route, mais également de faire les frais de la découverte du parcours. Les autres concurrents se préparent et s'échauffent sur des rouleaux pour faire tomber les jambes avant l'effort. Plus haut à l'arrivée, le premier à passer la ligne d'arrivée, le biélorusse Chapkouski, il a donc le meilleur temps provisoire, alors que plus bas, Dylan Guéry n'est pas loin d'arriver. C'est Milan Denis, le jeune Belge de l'équipe Lotto, qui se prépare à son tour devant les yeux du commissaire national ainsi que du président du jury. Il s'élance devant un nombreux public, comme d'habitude. Les coureurs sont en pleine concentration. On retrouve notamment Pierre Latour qui fait partie des favoris de l'épreuve. À l'arrivée, Dylan Guéry passe la ligne et bat le meilleur temps provisoire. La pluie a commencé à tomber tout doucement. Ce n'est pas un handicap pour les coureurs. Pierre Latour est sur la rampe de lancement. Le double champion de France de la discipline ces dernières années est très motivé par cette étape qui lui plaît. Le Français de très bonne trajectoire, il est habitué. Il sait que plus haut, il faudra gérer ses efforts. Pierre Latour connaît parfaitement cette discipline. À mi-parcours, il a le meilleur temps provisoire. Après un grand effort, Milan Denis va prendre la première place de ce contre-la-montre. Son avance laisse présager qu'il peut viser la victoire d'étape. Le public attend la suite des coureurs qui partent toutes les minutes. Les Rwandais sont prêts à encourager Moïse Mugisha. Ils s'échauffent à leur tour sur des rouleaux. C'est au tour d'Ilkan Dostiev de s'élancer. C'est un coureur très puissant, capable d'absorber les efforts sur ses pentes. Pierre Latour est encouragé par son manager Jean René, ancien grand champion du cyclisme français. Il adore le Tour du Rwanda. C'est une des courses préférées de l'année, une passion qu'il partage évidemment avec ses coureurs.
Pierre Latour est en pleine action dans les derniers mètres. Il a conservé son avance du temps intermédiaire quand il passe la ligne d'arrivée. Il occupe dès à présent la première place du classement provisoire qu'il ne quittera pas jusqu'à la fin. En attendant de monter sur le podium, ce décor grandiose au pied du parc des Gorilles, les enfants sont prêts à encourager à nouveau un coureur de Total Energy. Il s'agit de Fabien Doubet, spécialiste de la montagne. Let's go. Moritz Krejcik également à son tour sur la route. C'est la meilleure carte de l'équipe Israël Premier Tech. L'Allemand a terminé sixième du mondial du contre-la-montre espoir en 2023. Jonathan Restrepo, qui a déjà gagné cette fois sur le Tour du Rwanda en 4 ans, dont une il y a 2 jours, et à son tour sur la rampe de lancement. Le Colombien est particulièrement motivé. Moritz Krejcik continue son ascension et va doubler le concurrent qui s'était lancé une minute avant lui. Preuve qu'il est très en forme, ce qui lui permet d'être spécialement motivé sur cet effort et passe la ligne sans battre les temps de Pierre Latour. C'est au tour de William Le Serre de s'élancer. C'est là le grand favori de ce Tour du Rwanda. Le jeune Belge est un pur puncheur. Il va apprécier ce parcours. Le Kazakh de Stiev continue. Il occupe au temps intermédiaire une place dans le top 5. Ce qui lui laisse espérer une bonne place au classement de cette étape, c'est Lucas. Il rentre dans le top 3 en attendant l'arrivée des derniers concurrents comme le maillot jaune Pépin Heinderink, le leader du classement général. Fabien Doubet est à son tour dans les dernières rampes. Le coureur de Total Energy est un pur grimpeur. Il est à son aise sur les pentes de cette sixième étape vers Kinigi. On attend désormais les derniers coureurs sur cette étape qui va décanter ce classement général qui est encore bien serré. Fabien Doubet termine à la cinquième place du classement de cette étape, une performance très encourageante. Le Britannique Joseph Blackmore est l'autre carte de l'équipe Israël Premier Tech sur ce contre-la-montre avec l'Allemand Moritz Krejcik. Il a une position de spécialiste du contre-la-montre avec un guidon avancé qui lui permet de reposer ses coudes et donc de faciliter ses efforts. Il rentre dans les top 3 de ce classement provisoire. Jonathan Restrepo, le Colombien, est en passe de doubler un coureur au maillot jaune de Bengal, l'équipe belge. On l'a dit, le Colombien est très motivé par cette 16e édition du Tour du Rwanda, pour laquelle il a encore quelques espoirs de victoire d'étape. Même s'il est plus sprinter, il a su également tirer son épingle du jeu sur le contre-la-montre. Il termine à la sixième place du classement de cette étape. William Le Serre ne réalise pas le meilleur temps intermédiaire, toujours détenu par Pierre Latour. Le Belge, dans sa combinaison particulière très aérodynamique, est très performant. Il double un coureur de l'équipe Bingle qui ne peut suivre une allure incroyable sur vélo spécifique pour contre la montre. Il arrive sur la ligne d'arrivée, il est l'avant-dernier coureur à passer. On attendra le maillot jaune.
Il prend deuxième place. Qui va lui assurer la meilleure place au classement général? Le meilleur jeune qui va quitter les épaules de Pepin Reinderink, le coureur néerlandais de l'équipe Soudal Quick-Step, coéquipier de William Le Serre, n'est pas un pur spécialiste de cette discipline. L'effort est plus lourd, on sent que les jambes tournent moins bien que pour son coéquipier. Il terminera finalement à la 21e place de cette étape, perdant du coup son maillot jaune, sa tunique de leader qu'il laisse quand même au sein de l'équipe sur les épaules de William Le Serre. On avait bien reconnu le chrono quand on était en stage ici, on passait vraiment tous les jours sur cette route parce que le stage on était à l'African Cycling Center qui est juste au-dessus de Moussandé. Du coup on l'a tout le temps reconnu et je connaissais par cœur la route. Les jambes sont bonnes, là il n'y avait pas de descente pour une fois aujourd'hui et du coup bah ça s'est bien passé. Pierre Latour a remporté la cinquième étape, suivi de William Junior Le Serre et Peter Joseph Blackmore. C'était vraiment une montée pas facile. Et aussi avec l'altitude, je pense, c'était encore plus dur. Mais ouais, je suis content de prendre le maillot aujourd'hui. Et, maintenant, on va essayer de le défendre et garder jusque dimanche. Ouais. Pour le classement général, Pierre Latour et William Junior Le Serre sont respectivement premier et deuxième, suivi d'Ilkan Dostiev qui occupe la troisième place.